Alright tout le monde, je suis Jocelyn et on se retrouve sur la suite de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc on s'avait laissé ici, on va continuer l'exploration. Donc mon plan de match, c'est d'aller ici, peut-être aller vers la gorge. Ou peut-être pas parce que j'aimerais ça la monter jusqu'à là-bas en fait. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais explorer le petit raccoin qu'il y a là, aller ici, parce qu'ici j'y ai déjà été. Et ensuite revenir ici. Puis explorer la montée jusqu'à là-bas. Ce serait cool. Peut-être même éventuellement, peut-être faire le labyrinthe qui est ici. Je sais pas si ça va être dans le même épisode. Mais c'est mon plan de match. Dans ce jeu-là, on se fait un plan de match. Puis après ça, ben on fait qu'explorer en fait. Un camp de monstres. Ça, je m'en fous un peu des monstres. Le dernier coup que j'ai été dans un camp ennemi, il n'y avait pas grand chose à faire malgré que les autres sont faibles. Ah non, il y en a un blanc là-bas. Lui, il est plus long à tuer. Quoique. Merde. Boum! Ah ah! Ah, c'était quand même gratuit. Allez, j'ai goût de me battre un peu. Merde. Je vise pas bien. Mon arc est en train de se briser, non? Ça, c'est moins pire un peu. Ah, merde. Oh! Salaud. Oh, good job, bro! Ça serait pas pire avoir une caméra qui vise un peu l'ennemi, là. Yeah! Ça nous met un peu dans l'action. Je vais prendre mes flèches que j'ai manquées. Cool. Bon, on a quoi? On a quoi ici? Oh, quand même, cool. Qu'est-ce que je pourrais bien me débarrasser? Bon, pour un saphir, c'est pas bien grave en fait. Ça, je le gardais pour les. Voyons là, les. L'équipe d'eau. Mais pas vraiment forte. Fait que je pense que je vais juste prendre ça ici. Je vais essayer de me prendre des flèches en bois que j'ai manquées. Nice. Moi, j'en ai récupéré ici. Yes. Bon, ça fait le job. Mon arc va bientôt se briser, ça fait chier. Je l'aimais bien. Et je vais prendre ça. Bon, quoi que ça change pas vraiment grand chose. Tiens, je vais la prendre. Là, elle fait 45, je pense, vu que là, il me reste un coup à donner. Ça me dit quelque chose, ça. Il n'y avait pas un mini-jeu à faire? Je pense que ouais. Parce que ça me dit vraiment quelque chose, en fait. Je pense qu'à partir de là, j'y ai déjà été. Je pense pas qu'il y ait grand-chose, en fait. Est-ce que le lac est en haut? Non, il est à mon étage. Mon étage. On va aller se rendre jusqu'au petit lac parce que le reste, là, je l'ai tout fait. Parce que là-bas, je pense qu'il y a un mini-jeu. Je pense qu'on l'avait déjà fait.
C'est ça qui arrive quand tu passes trop d'heures à y jouer puis à prendre une pause et tout. Ah! Ça, je l'ai pas fait. Ah! Je suis jamais venu ici. Oh! Mais faites faire le saut, j'avais oublié que les arbres ici pouvaient se défendre. Ah, je l'ai annulé, c'est pour ça. Ah, ça c'est pas pire, enfin. Au moins, eux autres, ils vont pouvoir me redonner des trucs. Encore un arbre. Ah ah, il y a quelque chose qui va là. Yahoo! Bon, il me faudrait une roche. Encore? Il m'en faut une. Pas chier. Hey, tu m'énerves. Je pensais qu'une manée, là, mes compagnons l'a répété, mais ça a l'air que non. Y'a rien? Non? Ouais, je pense qu'il en faut une plus grosse. Ok, je suis arrivé avec une plus grosse. Ah, il y en a une là-bas. J'espère que ça va marcher. Puis j'espère que je fais pas ça pour rien non plus, parce que ça se peut que tout que je fasse ça pour rien. Allez, viens. Là, j'explore pas beaucoup les profondeurs parce que je trouve que c'est pas mal secondaire. J'aimerais peut-être ça y aller, mais plus vers la fin. Mais que j'ai fini d'explorer pas mal tout ce que je dois explorer ici. Vous comprenez? Non, finalement, la grosse, elle fait pas là, pas en tout. Et si je mets un tronc d'arbre? Non? Oh, mais y a absolument rien ici. Ça, c'est la paranoïa des Korogu. Moi, j'aimerais avoir deux cercles d'endurance complète, puis avec au moins une moitié d'une autre rangée de cœur. J'aimerais bien ça. Ça peut vraiment servir à grand chose. Bon, il y avait quoi autour de l'arbre? Rien? Moi, juste pour dire au moins que j'ai fouillé le coffre. Je vais le prendre, puis après ça, je vais l'acheter. Distance de lancer, ça tombe bien. Et voilà.
On a quoi ici? Des fois un puits, non? Ok. J'aime explorer la forêt. Vrai, je retourne dans les bois perdus, man. Tellement cool. Ah! Ah! Ah ah ah! On a quelque chose ici. On a quelque chose ici. Elle a la planche. Attends. Elle fit là. Non? Bien. C'est sûr qu'il y en avait un quelque part, un Kourougou. Hey man, sur 1000. Ah, il y en a tellement, ça n'a pas d'allure. Ce serait vraiment le fun que je les trouve toutes, genre, dans l'épisode. Ben, dans mon let's play. Ça m'étonnerait. Mais j'ai pas le choix parce que j'aimerais faire le 100% enregistré, en fait. Uncut, tout enregistré. Ah oui, c'est ça l'affaire, là, il y a de l'eau. Ouais, mais ça, il n'y a pas de stress, regarde. Allez. Ah, mais quand ça brûle, ça fait pas de vent, par exemple. Merde. Attends, ce que je peux faire, c'est ça au pire. Oh, mes petites cocottes. De la nourriture, je crois. Ils sont. Les pommes de pin sont où? Ah, ici. Ah, t'es sérieux? Ah, il a commencé à mouiller. Ah, c'est l'enfant de chienne. Enfant de chienne. Hop! Tiens, on va aller le faire. Et juste gaspiller deux fruits de feu. C'est le fun. Pas plus grave que ça. Bon, le chemin empilé. Fait que j'en déduis qu'on doit empiler des objets. Bien évidemment. Mais on peut escalader au moins sur les cubes. Ce qui est bien. Bon, le coffre il est là. Puis j'ai accès où? Sûrement en dessous. Le voilà. D'accord. Venez avec moi. Baguette magique. Bon, juste pour dire que j'en ai une. On va la prendre. On va l'acheter et on va reprendre ça. Et voilà. Bon, toi viens ici. Ah, mais lui, je peux pas l'escalader, par exemple. Fait que ça va aller comme ça. Et voilà. J'aime tellement cette magie. Ça rend les choses tellement plus simples. Pardon. J'ai l'impression que Tears of the Kingdom, c'est comme la version définitive de
Breath of the Wild. Parce qu'on dirait pas pantoute, c'est une suite en fait. Ça fait juste commencer, puis on parle pas de Calamité Ganon, on voit plus en fait les. On n'a pas revu non plus les. Voyons, les gardiens. J'ai été en haut là. Ouais, j'ai déjà été, mais en haut là-bas. Ah! Notre ami. Avec sa pancarte. Encore. Bon. Comment qu'elle a fait sa pancarte? Encore une fois, on va y faire ça assez simple. Ah d'accord, le problème c'est que j'ai juste décroché, j'ai plus de poteau. On va le faire quand même. On va y aller comme ça. Voyons. Ah, ok, c'est à cause de lui. On va le recommencer. On va y aller. Comme ça. Pas ça, mon homme. Ok, puis là, il en faut une de l'autre sens. Pour l'y empêcher, en fait, qu'elle glisse. Tu sais, au lieu que quelqu'un la tienne, puis l'autre travaille. Non. On rend ça compliqué. Elle est pas assez haute. Fait que on va y en mettre un double comme ça. J'aime mieux le faire comme faut une fois que de tout recommencer après. Écoute, là, c'est sûr que ça tombe. Ah oh, shit. Non, c'est sûr que ça tombe pas, là. Vas-y. Et voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça fait si on les fait toutes. Pis je sais même pas si ça compte pour le 100%, je pense pas. Et voilà. Merci. Ben oui, c'est bon, allez, accouche. Bye. Ok, ça c'est mon sanctuaire. Là, moi j'arrive d'ici. Ok, puis après ça, je peux aller par là. La grotte-là est faite, mais je suis pas sûr que j'ai fait comme tout ça ici. On est encore en train d'explorer. Je pense pas, j'ai pas monté cette montagne-là. Même ça en haut, ça me dit rien. Et là là. Oh, non, non, c'est pas ça que je voulais. C'est Shazam! Je la trouve cool, la tunique comme ça. J'aimerais ça avoir un petit bonnet qui vient avec. Mais avec la cape de même, là, je trouve ça vraiment nice. Un beau design comme ça, vraiment cool. Puis le pire, c'est que... Ah, c'est vrai, parce qu'il me fait plus. J'avais acheté un chandail à l'époque. C'était le chandail, la tunique bleue de Link. Puis je l'avais acheté bleu, justement, parce que... Moi, j'ai mon cosplay de Twilight Princess. Mais... Ah, c'est haut, hein? Ça me tente pas vraiment d'escalader tout ça. De toute façon, j'arrive de là. Mais cette affaire-là, ça me dit rien. Je suis pas sûr que j'y ai déjà été. Fait que je pense que... Je vais m'habiller chaudement. Je vais prendre mon truc d'escalade. Let's go!
Yes, sir. Ah, il escalade vite comme ça. J'aurais tout le kit, là, ça irait bien. Je sais pas pourquoi que je me suis réchauffé, hein. J'ai encore chaud. Ouais, c'est ça, puis je m'avais acheté là, le t-shirt bleu. Parce que dans le temps, je faisais du green screen. Mais là, il me fait plus. Ah, c'est ça, je me rends pas. J'aimerais ça m'en retrouver un autre. Mais plus une veste, parce que des t-shirts, je porte pas vraiment de t-shirt. De ça. Et voilà, parcours. Yeah. Bon, ça mène où ça? En vrai, je pense qu'on est correct. Yeah! Bingo! Je sais pas où ce que ça mène. Yeah, ça continue aussi en haut. Une échelle là. Un like. Aha! Un piège. Huh. Ah, c'est où? Ah, c'est la 8e héroïne. C'est pas la 8e héroïne que là? Je pense que ouais. Ah non, elle est la 8e héroïne. Ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre là. Oh oh! Double headshot! Ça c'était fort. Ça me dit rien là. Écoute, on va continuer. Il y a plein d'échafaudages, mais je sais pas ce que ça veut dire. Des fois c'est là juste parce que c'est là ou... Ah! Et ça va nous aider à monter ça. Il va juste faire extrêmement froid. Je suis mis de m'habiller. Ok, comme ça, je vois bien. Il y a quelque chose, là. La foudre. Ah! Cool! Qu'est-ce qu'on a découvert? Nice. Ouch.
trompé de bouton, désolé. Oh, nice! Une grotte du plateau d'Amet. Ah, c'est vrai, j'ai pas un arc assez forte. Je suis pas capable de le frapper, l'autre. L'autre petit colique. Ok. Nice. Et quoi? Qu'est-ce qu'on a? Ah. Oh. Bon. Ok. On m'attendait à quelque chose de vraiment plus cool. Tiens, c'est pas ça que j'avais vu? Oh merde. Oh merde. Bon. Tabarnak, Link, hostie de calice. Ah. C'est le pont que j'ai été, ça? Non, pas lui. Non, je pense pas que le reste s'amène à quelque chose, là. Et ce souvenir-là que j'ai pas été... Ah, regarde, c'est ça. Il est pas là, le mini-jeu? Ouais, je pense qu'il est là, parce qu'ici, il y avait un griok ou quoi de même. Un giroc. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Je l'oublie tout le temps, ce nom-là. Ah, ok. Bah, c'est quand même pratique. Bon, ici, je pense pas que j'ai besoin de cet équipement-là. Cool, un rubis. J'en ai droppé un, je garde un rubis. Et voilà. Ça va pouvoir nous réchauffer aussi sans changer d'équipement tout le temps. Non, là, il y a quelque chose à l'intérieur, ça c'est sûr. Donc, il doit sûrement avoir une grotte. Ah, cool. C'est bon à prendre, ça. C'est cool quand je marche puis j'ai mon crew avec moi. Mes alliés. Je me sens moins seul. Ok, ça j'ai déjà été là. Là c'est ici là que j'ai pas été là, puis le plateau est ici là.
Les collines là. Mais déjà une demi-heure, man. Colline, hein? Hey, ça part vite ce jeu-là. Quand tu joues à ça, là, c'est fou, là. Il y a des ruines en haut, je crois. J'ai déjà été. C'est en haut de la montagne. J'ai déjà passé par-dessus. Ouais, dessus. Ça, c'est ça qui m'intrigue. Bon, j'ai froid. Et là là. Encore plus froid. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ah, j'ai pas regardé ma stamina. Ah, finalement, il y avait rien. Bon. Et là, ici, j'y étais. J'ai pas déjà été dans cette colline-là. Avec le gros champignon, je pense que ouais. Juste pour être sûr, on va y aller vérifier. Mais avant, on va aller voir la petite cutscene qu'on a là-bas. On a quoi ici en bas? Urugu? Non. Bon, là, encore une fois, je n'ai plus de besoin. Ou sinon, il y a ce design-là que j'aime bien. Le mix des deux comme ça. Il y a dedans même aussi. Oh, je l'ai pas changé là, le. Il se trompait. Et voilà. Ah, ça me dit rien. On va aller vérifier après. Là, j'ai pas trouvé la lame de dragon, là, mais d'après moi, on va sûrement tomber dessus, là. Non, mange la marde. Moi, je me suis fait des trucs d'endurance, justement pour ça. Ça, c'est le sanctuaire qu'on a déjà fait. Good. Ah, une montgolfière. Cool. Ah! Ils sont cachés partout, c'est fou. On prend-tu la montgolfière ou bon, on en a une? Ah, c'est sympa! Salut! Ah, mais c'est Link, tu t'enquêtes sur les géoglyphes? Ah, oh, ouais, j'étais encore là, là. Ah, c'est la montgolfière, il veut pas que je l'utilise. Connasse. Désolé, pas. Bon, ça doit pas être bien loin. On va finir par tomber dessus, là, si, de toute façon, là, le dessin n'est pas bien grand. Au moins, s'il aurait pu me donner un, je sais pas, moi, un truc pour une île, là. Une île flottante, là. Oh, Lionel!
Ah, j'ai peut-être pas le choix finalement parce que là, comme tu vois, c'est super simple en fait. Mais là, juste pour me faire chier, je le trouverai pas. Il est peut-être caché en dessous de ça. Non. Et merde. Hey, j'ai fait le tour là, c'est sûr qu'il est pas bien loin. Ah, il est... Asti, t'es juste en face. T'es sérieux? Est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air un peu distraite, non? Oh, pardonnez-moi. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir. C'est simple. C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Oh, des souvenirs dans un objet. Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre. Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Oh! Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais... tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Oh. Ai-je vu juste? Mais comment? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Oh, Votre Majesté. Et puis il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link. Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Il est aussi fort que son cœur est honnête. Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme, en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda. Je les aime, les cutscenes sont cool. Mais j'aime ça que Zelda fasse référence à Link comme un ami. Tu sais, au lieu de dire c'est mon chevalier servant, tu sais. Après, c'est un chevalier, tu sais, puis c'est un bon ami. Je trouve que la relation dans le nouveau Zelda de Breath of the Wild puis Tears of the Kingdom, je trouve que la relation entre Link et Zelda, c'est froid, je trouve.
Contrairement à Minish Cap ou Skyward Sword, tu sais, ce sont des meilleurs amis en fait, ils se connaissent ça fait longtemps, puis. Tandis que là, c'est tout le temps. Ils font tout le temps référence à, mettons, tu sais, au. À un chevalier servant, puis tout, tu sais. Ça va peut-être changer, mais on verra. J'ai déjà été ici. En haut là, je suis pas sûr. Là-bas non plus, je suis pas sûr. Écoute, ça se peut que j'ai pas fait tout non plus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, ça se gaspille vite, hein? Je devrais les garder en... Ok, je l'avais déjà fait celle-là. Ça me disait quelque chose, cette petite course-là. Allez, Link! Allez! Lâche pas! Oh, Lynn. Ben, oh, ben oui, c'est là que t'arrives, hein, connard. Hein. On va aller voir là-bas. Ça me dit rien ici. Ah, c'est tabarnak. Je viens de me gaspiller un œil. Cool. Ah, c'est un vrai coffre. Oh, nice! Est-ce que je me rends ici? Non. Peut-être lui? Ouais. C'est tellement le fun d'escalader comme ça, là. Ben, c'est pas vraiment escalader, là, mais bon. Oh, on a quoi, ici? Ok. Je crois qu'on a un repère, ici. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Un petit coffre? On en fout un peu de son petit coffre. Oh, pas ça, je l'ai. Tu sais, ici, j'ai déjà été là. C'est un petit quelque chose, c'est tous les champignons qu'il y a là. Ok. On va aller là, on va aller là-bas. Des fois, il n'y a pas des Kurugu ici. Y'a pas un endroit qui est suspect d'en avoir un? Écoute, on va aller voir. Ça, c'est une Mont-Satori? Ouais, ça, on a déjà été. Bon, finalement, y'avait rien. Benny, merci pour le coup de main. Tiens, pour te remercier d'avoir aidé. Merci. Moi, je continue de suivre les géoglyphes. Ok. J'ai vu celui près d'ici. J'hésite entre me rendre ailleurs ou m'intéresser au mystère des dragons. Il y aurait à Hyrule des êtres légendaires. On appelle les dragons. Ah, il y en a plein. Les dragons auraient été aperçus volant dans le ciel. On en voit plein. Regarde, y en a un là.
trip. J'aimerais ça aller au bois perdu. Bon. Bon, on va aller là-bas. Je pense pas avoir déjà été là. J'ai déjà été là. C'est supposé avoir des ruines là-bas. Mais j'ai pas été là. Je pense que je viens d'avoir quelque chose d'intéressant. Oh! J'ai même pas vu. Ah shit, on va attendre. C'est pas là qu'il y a le mini-jeu. C'est là qu'il y a le mini-jeu. Ouais, puis en haut, il y avait les ruines. Là, j'ai pas été dans les ruines. Et voilà, c'est assez simple. Merci. Aha! Cool! Bon, on a un petit repère de monstre ici qui m'intéresse pas tant que ça honnêtement, mais il y a un shrine. Bon, c'est pas vraiment intéressant, eux autres, les monstres, là, je trouve que c'est, des fois, c'est du temps à perdre. En plus, tu gaspilles tout le temps tes armes à les péter. Ah, je l'ai déjà fait, le shrine. C'est qui, lui? Ah, ok, je me demandais. Bon, ok, finalement, ça, c'est fait. Bon, mais j'ai le goût d'aller péter peut-être le dragon qu'il y a là. Il y avait un dragon, là, le dernier coup. Ah ça, on est rendu bon avec les dragons, fait que on va aller le péter. Je comprends pas. Ah! Une recette qui disparaît et des pommes de pain d'Hyrule. Mâchouillé comme une seule piste. Tu sais, les partenaires, quelle surprise de te croiser par ici, ok? C'est quoi? Ce relais? Un élevage de chèvres blanches, mais ils sont plus là. On évoque la princesse Zelda. Je devrais commencer... Tu devrais commencer par parler à Chuck. Oh! Et lui, Chuck? Elles sont enfuies. Un diagnostic derrière avec des pommes de pin. J'ai préparé le fourrage en suivant la recette de la princesse Zelda à la lettre. Je ne comprends pas pourquoi. La recette? Cette sorte de fourrage de chèvre utilise la grande quantité de pommes de pin. C'est la princesse Zelda personne qui nous l'a transmis cette recette. Elle m'a au point des recettes, ok. Elle m'a appris une formidable recette, ok. Des pommes de pin. J'ai rangé la recette dans une bouteille pour la préserver. Mais où? La bouteille et la recette. Mais le vent a porté. Par un jour de tempête. Ils sont partis où? Ok, ça me dit pas dans quel coin qui est parti. Oh. Non, je suis correct. Je chante quoi? Elle chante, elle?
sais pas si c'est quelque chose d'intéressant. Bon, ok. Regardez les chèvres, ok. Bon, les chèvres blanches sont toutes en fuite après avoir reçu le fourrage mis au point par la princesse Zelda. Non sans avoir craché les pommes de pin d'Arrow qui était l'un des ingrédients. Après, c'est à cause du fourrage que les chèvres sont enfuies. Où ils peuvent bien être maintenant? Bon, ils ont laissé derrière elles des pommes de pin. Fait qu'on va suivre les pommes de pin. Pommes de pin. Moi, les récupérer en même temps, ça, des fois, j'en m'en sers pour voler haut. Merci. Ah, là, c'est là que ça rapporte ici les champignons, parce que le dernier coup que je suis venu ici, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est un coup de Ganondorf. C'est sûr. Ah, mais voilà. Non! Les chefs blanches, les voilà enfin. Pardon. Tout doux, mes jolis. C'est toi qui les as retrouvés. Oh. On dirait la bouteille dans laquelle j'avais mis la recette. Oh. Ah, c'est pas possible. Quel idiot, il fallait réduire les pommes de pin d'Arrow en poudre. Les pauvres pichettes. Ok, c'est de ma faute. J'ai dit du mal à la princesse Zelda alors qu'elle m'a donné cette recette. J'ai dû remarquer que j'avais quoi retenu de travers la recette. C'est ainsi qu'a réagi la princesse Zelda et je veux lui faire honneur. C'est tout? Hi! Oh! J'ai tout vu. L'homme de la situation, comme toujours, partenaire. Qu'on a retrouvé les chefs perdus et la recette au même endroit. Coïncidence? Si les chefs étaient partis chercher la recette pour ne plus avoir subir le fourrage douteux de Chuck, c'est un peu tiré par les plumes. Alors, faisons les comptes. Tu as déjà résolu 6 affaires en rapport avec la princesse Zelda. Tu connais toutes les ficelles du métier à présent. À ce stade, tu mérites une place officielle au sein de l'équipe. Voilà ta paix. Amplement méritée. Ok, merci. Zappao! Bon, finalement, c'était pas tant... Mais je pense pas être déjà venu ici. C'est pas le même champion. Oh! Ben, je vais les prendre, man. Il me faut des yeux. Et où l'autre œil? Ici. Yeah! Je sais pas, je venais ici. Non, c'est un raccoin là, je suis jamais venu, je crois. Ah oui, la tour est là. En vrai, je sais pas. Il me faut de la hauteur un peu. Ouais, je suis déjà venu. Ça, c'est les ruines. Et en parlant de ruines, je crois que ça a rapport avec la foudre, ces ruines-là. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais, je le sais pas. Là, comme c'est là, je peux pas vraiment y aller. Écoute, on va aller jeter un coup d'œil. Je savais que ça me disait quelque chose ici.
Me semble que ça rapporte avec la foudre. Le plateau du tonnerre, ouais, c'est ça. Là, c'est de savoir c'est quoi je dois faire, en fait. Non. Oh, ligue de pluie de marde. Est-ce que ça a rapport avec les statues? Je pense pas. C'est pas ça le plateau de sa mère. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Écoute, on va essayer quelque chose d'autre. Pourquoi t'as annulé? Non. Écoute, on essaie des trucs. Peut-être que ça fait partie d'une quest, puis je suis pas rendu là. Aucune idée. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais, je le sais pas encore, mais ça me tente pas de gosser trop longtemps là-dessus. Fait que je vais me rendre ici parce que le reste là, je l'avais déjà exploré. J'avais déjà été en haut. Le mont Roam. Le roi d'Arul. Pardon. Quoi ça? Ah, du bois, ça c'est hot, du bois d'allumage. Mais bon. Lui il court parce que. Il mouille. Ben il pleut. Ça c'est le gouffre que je vais explorer. On va le voir si on peut pas aller péter un Gyroc. Ah, on peut plus faire le mini-jeu? Ah oui, il est encore là. Oh, allons-y. Ah, au début, man, je mets cette one-shot par cette... Ah, cool. Par ce dragon-là. Je vais prendre ma revanche. Oh. Un peu plus que je me rendais pas. Tabarnak, t'es-tu sérieux? J'essayais de monter. Vous savez, j'essayais de monter sur le petit Chris de rebord, pis t'as juste Link qui a crissé le camp. Comme un con. Ah, il y a un autre bloc ici aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ces ruines-là. Des colonnades antiques. Lui, il garde quelque chose, ça c'est sûr. Ah ouais, mais là, le problème, c'est que j'ai pas assez d'yeux. Il me faut des yeux pour péter ça. Sinon, je vise pas bien. Ouais. Ah merde. Faudrait que j'aille chasser des chauves-souris avant. J'en ai un peu, là, mais pas à tonne. Non, laisse faire. M'attendre d'avoir des yeux. Je suis venu ici pour rien. Je vais revenir. C'est sûr que je vais revenir. Bon. Ouais,
Fait que ça ici, je dois pas oublier de revenir. Et je suis pressé de le péter quand même, c'est juste que c'est juste plus facile avec des yeux. Ça me tente pas trop de gosser là-dessus. Bon, j'ai déjà été ici aussi. De toute façon, on va explorer ça comme faut quand que... On va revenir. Ah tiens, en parlant de chauve-souris. J'ai quand même le goût de le péter, sérieux là. J'ai quand même vraiment le goût de le péter, là. Je suis là. Ok, on va essayer de le péter. Ah, oh, foutez-moi la paix. Hein? Arrête de me faire chier. Et là, on va changer d'arc. On va prendre celle-là ici. On va prendre une arme aussi plus forte. Et voilà. Ah, lui, son point faible, c'est la glace. Je vais peut-être pouvoir utiliser mes... mes flèches. Pas mes flèches, mais... T'es sérieux, là? J'ai froid. Si, boire. J'ai-tu quelque chose contre la chaleur? Je sais pas si ça fait quelque chose, ça. Non. That's it, bro. Fuck. Oh oh. Fuck! Alright. Fuck! Déjà! Fuck! Eh merde. On va booster mes attaques un peu. Bon, 49, let's go. Yeah. Ok, bon, ça a bien été. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? T'es sûr qu'il gardait quelque chose. Flip.
c'est de savoir quoi. Là, comme c'est là, il n'y a pas grand-chose. Ah ah! Un Kuroku! Eh merde, t'es sérieux? Qu'attends, on va attendre que lui... Let's go! Hey man, t'es gassant là! On va-tu y arriver un jour? T'es sérieux là? Bon, t'attends man! Si, ouais, donne-moi-en deux rendu là, tout de cul. À la royure. Bon, on a quoi ici? Il garde rien? Il y a rien, rien, rien? Ah non, toi. C'est juste des ruines avec un dragon qui était dessus. Y'a pas de coffre, y'a fuck all. Parce que je l'ai pas trouvé s'il y en a un. Je pense que j'ai déjà pris, peut-être. Bon, ça, c'est toutes des places que j'ai déjà été. C'est juste ici que j'avais pas été. J'avais trop peur d'affronter ça. Le dragon à trois têtes. J'ai même pas encore checké le titre. J'ai même pas checké le nom encore. Je pense que c'est un Gyrock. Bon, ben écoutez, tant pis, hein. Je pense pas qu'il y a quelque chose d'intéressant finalement. Dommage. Ah! Oh, je l'ai pas fait lui! Ça veut dire que je suis pas passé par ici. Là, je l'ai déjà faite, je crois. Ok. La shrine que là, ouais, je l'ai déjà faite. Ça m'étonne que lui, je l'avais pas faite. Il y a mon ombre. On le voit pas. Et voilà. Ah, lui, je l'ai fait par exemple. Fait que je suis déjà venu ici. Là, après ça, je reviens au shrine. Après ça, on va partir et on va longer là, le gouffre. On va aller voir où est-ce que ça va nous mener. Ça fait déjà une heure que je joue. C'est fou à quel point que le jeu, là, il bouffe de ton temps. Fous-moi la paix. Et hop.
me faut des jellies de feu, moi. Tu vois, j'en ai pas pantoute. Bon. Ok, plate, c'est long, par exemple, à les avoir. Ah, pis là. Ça m'a coûté 2 fruits pour en avoir 4. Bon, il est où le sanctuaire? Il est ici. Non, mais c'est parti. On va au gouffre. Let's go. Oh, est-ce que je l'ai fait ça? Non, c'est sûr, je l'ai pas fait, ça me dit rien. Ah merde. Oh. Ah. Quelque chose qui a tombé proche de moi, c'est où? C'est lequel? Lui ici. Good, je n'ai de besoin. Je vais aller faire mon puzzle. Et voilà. Ok, bon, ça va où ça? C'est supposé faire un carré. Une colliste dit comment faire mon carré. Ça me tente pas de l'évaluer, fait que je vais essayer d'y aller un petit peu à l'arrache. Peut-être qu'on va être chanceux. Tabarnak, j'aime ça. Je vais le mettre drette, sti. Oh. Ok, bon, c'est pas comme ça. Tabarnak! Ah, il était temps, man! Wow! Je dois vous avouer que celui-là, je sais pas pourquoi, là, mais... Man, j'ai resté buggy dessus un bon bout de temps, là. J'ai pas le choix de faire un cut. Man, je dois avoir passé, esti, 20 minutes. Ben, peut-être pas 20 minutes, là, mais Chris, 10-15 minutes à essayer de faire le puzzle. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va retourner dans le gouffre. Parce que nous, on voulait explorer le gouffre. Et hop! Ah. Oh, fatigant les squelettes. Des fruits d'eau. Oh, une grotte? Ah ah! C'est pas une grotte, là, mais on en a trouvé un. Et voilà. Boum! Merci. Aucun survivant. Ils sont tous morts. J'espère qu'il n'y a rien des fois au-dessus. Parce que là, je suis dans le gouffre, mais là, s'il y a quelque chose au-dessus, là, je le verrai peut-être pas. C'est peut-être le rocher que là, ben pas le rocher, là, mais le... Ben, c'est un drôle de rocher, là, on va l'appeler comme ça. Peut-être quelque chose en haut. On va aller voir. Trou de cul. Trou de cul. Bon. Eh merde, je pensais en plus y aller en haut. Il s'est même pas rendu. Non, pas de l'air à avoir grand chose. Au sommet là-bas.
Ah! Lui, il est random un peu. Ah, cool, les bombes. J'aime ça, les bombes. Ah! Non, y'a rien? Ah, ok. J'étais sûr qu'il y a quelque chose. Peut-être quelque chose ici? Ouais, un Kurugu. On va y aller. Au moins, ça freeze le temps. Yeah! Ah, il y a un feu de camp là. Dis-moi pas que c'est un Kurugu. Ouais, allez, viens. Besoin de ton œil. C'est tellement pratique ça. Accueil de la Gorbaille. Gorbal, désolé. Un autre mini-jeu de Goron? Ah ouais, c'est lui. Voilà, bien joué. Ok, qu'est-ce que tu veux? Salut. C'est pas banal d'avoir quelqu'un comme toi ici, à une heure pareille. Bon, c'est quoi le but du jeu? On va voir, ok, c'est pas bien, bien compliqué. Ok, t'as bien le droit de la porter comme tu veux. Avec tes mains, tu peux la mettre dans quelque chose. Mais attention, si tu perds la balle, ben, tu perds le jeu. La distance parcourue. Ah, ça coûte 20 rupies. Ah, c'est pas ça que je voulais. Je vais l'essayer. Ok, ouais, mais c'est quoi? Je peux la transporter quand que je veux, mais c'est... Ah, tu parles de là-bas? Pourquoi? C'est quoi qui va arriver? Ah! Je comprenais pas, là. Ok, ça c'est le point de départ. Puis là, elle doit rouler le plus loin qu'elle peut. Ok, bon. Mais écoute, on va y aller avec... Est-ce qu'on peut construire? Je pense que oui, sinon on n'aurait pas ça, hein. Écoute, on va essayer comme ça. Ouais, ça, je vais peut-être l'enlever. Pour tout de suite. Ok. Je comprends pas vraiment le but du jeu là. Je sais pas si qu'est-ce que je fais c'est légal. Ah, ok. Hey!
Et merde. Ok, fait que en gros, ça va être ça comme ça. Est-ce que je peux utiliser mes trucs à moi? Ouais! Ben, vas-y. Mais de quoi tu parles? Hey! Mais c'est quoi ton hostie de but de jeu, man? C'est pas de crisser la balle le plus loin qu'on peut? Mm. C'est quoi les règles? Tu vois, la conjure... dans ta tête, pas qu'un paquet de muscles, ça me plaît. Ok, m'en calisse. Le temps s'écoule. Et toi, tu dois porter la balle le plus loin possible. C'est ça que j'ai fait! Ah, oh, ok, je pense que j'ai compris. Je dois aller le voir pour lui dire que je suis prêt après. Ah, oh, je pensais que c'était là, là. Il va y avoir des obstacles et tout. D'accord. Je suis prêt. Let's go. Ah, ok, je comprends. Désolé. C'est une bonne distance, ça? Hey! Désolé, man. Je comprenais pas trop, là. Je savais qu'il fallait la porter, mais là... Je pensais pas qu'il fallait que j'aille le revoir, en fait. T'es vraiment doué. C'est quoi le plus grand prix? J'ai préparé un niveau avancé. Aha. Avancé, go. Alright, j'espère que j'ai pas refait mon véhicule. Ah, phew, merci. Là, l'affaire, c'est que si je prends un roquette, j'ai peur de scraper mon... C'est sûr que je vais me le scraper. Écoute, je vais laisser comme ça, là. Oui, je suis prêt. Go! On a juste plus de temps. Là, c'est là que je prendrai un roquette. Peut-être plus en ligne droite tantôt. Ah, ça va bien comme ça. Let's go. Ben, c'est à cause du vent, là. Ah, quasiment 700. Oh yeah, 700. Yeah, 706. C'est bien, ça? Mmh. Non.
pas si je vais m'en remettre. Cool. Ah, cool. Oh, ben non, on a fini. On a fait son mini-jeu. Alright. Bon, on est ici. On a tout ça à parcourir. Ouais, on a un bon bout de chemin à faire. Ouais, écoutez, nous, on va cesser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Donc, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Moi, je vais rester ici. Puis, la prochaine fois, ben, je vais repartir d'ici, puis on va continuer à explorer le gouffre. Bon, moi, c'est pas pire, j'ai mon véhicule. J'utilise encore mon véhicule? Ouais, il est encore là. Fait que je vais pouvoir prendre mon véhicule, puis m'en aller jusqu'à l'autre bout. Donc, alright, man. Nous autres, on se retrouve pour la suite. Restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao.